Bonjour. Dandakriya définit l'action d'allonger l'arrière du corps tout en redressant le dos. Merudanda, c'est la colonne vertébrale. Merudanda Kriya désigne l'action de redresser la colonne vertébrale, ce qui en facilite la prise de conscience et renforce toute la structure du dos. Sur le plan énergétique, cette action stimule, active, entretient Uddana Vayu, un des cinq souffles majeurs de prana. Uddana est essentiellement localisée et active dans la région supérieure du corps. La tête, le cou, le haut du tronc, clavicule et par extension les bras, les extrémités des quatre membres. Le mouvement d'Uddana Vayu est ascendant. Il est relié au sens de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, et la gorge en est le siège principal. Relié à l'élément éther, l'espace, véhicule de l'air, véhicule de la lumière, véhicule du son et de prana, l'énergie vitale. Uddana est l'énergie qui permet l'échange et nous fait rayonner à l'extérieur. Au niveau de l'esprit, plus exactement du psychisme, il gère l'effort, la volonté, l'enthousiasme, notre aspiration à la vie, mais aussi la capacité de discrimination claire, ainsi que de nourrir des idéaux élevés. Donc tout au long de notre séance, nous restons concentrés sur Dandakriya et à l'intérieur de l'étirement de l'arrière du corps, au centre, notre axe vertébral. Nous cherchons à redresser la colonne, que ce soit lorsque nous pratiquons une élévation de tout le corps verticalement, que ce soit lorsque nous allons dans une flexion avant en passant jusqu'à ce mouvement, nous étirons notre colonne, que ce soit en remontant aussi. Dans la pratique posturale Jalandhara Bandha, il stabilise le cou et il permet aussi le contrôle du mouvement de Uddana Vayu. Jalandhara Bandha est important aussi pour ce redressement, cette recherche d'entretenir un redressement vertébral. Mettez-vous debout. Commençons à assouplir, bouger l'ensemble de tout notre corps en pratiquant quelques salutations au soleil. Vous en pratiquez trois, c'est bien. Si vraiment vous n'avez pas envie d'en pratiquer trois, vous pouvez en pratiquer moins. Les personnes débutantes ne sont pas obligées de pratiquer l'entièreté de la salutation au soleil, mais peuvent s'arrêter soit à la posture numéro 4 ou à la posture numéro 5, comme elles en ont l'habitude. Pour les autres, toute la salutation au soleil. Je guide un tour, une salutation complète. Tout au long de vos salutations au soleil, observez le redressement vertébral. Jalandhara, placement du menton en retrait. Ujjayi, la respiration régulée dans votre amplitude et régulation du souffle de confort personnel. Première posture. Première séquence. Lors de l'inspiration, vous allez dans la seconde posture, étirez tout le corps verticalement et si vous le souhaitez et si le corps en a l'aisance, vous pouvez basculer un peu en arrière
On s'entend bien toute la structure musculaire, dorsale et vertébrale. Expirez en allongeant la colonne pour la descendre. L'arrière du corps s'étire en Uttanasana, flexion avant. Placez la jambe droite à l'arrière. Anjaneyasana, posture numéro 4. Les personnes qui le souhaitent peuvent élever les bras pour compléter l'extension, le redressement de la colonne supérieure. Expirez, posez les mains à lion, chien tête en bas. Poumon vide, posture sur 8 parties du corps, puis en posant le bassin, vous inspirez et redressez le haut du corps, cobra, puis l'expiration, chien tête en bas. Avancez votre pied droit. Nous retrouvons Anjaneyasana avec soit les mains au sol, soit en élevant, en condition de bien garder le bassin vers la terre et vers l'avant. Pendant l'expire, ramenez les mains, avancez le pied gauche, descendez le tronc, fléchissez les hanches, l'arrière du corps s'étire. Inspirez, allongez le buste, la colonne pour redresser tout le corps. Expirez. Retour des mains jointes, séquence B. Première posture, puis inspirez, deuxième posture, expirez, allongez bien l'axe central pour aller en flexion avant, placez la jambe gauche à l'arrière, inspirez en gardant les mains au sol ou en optimisant le redressement du milieu et du haut de la colonne. Expirez, posez les mains. Chien tête en bas. Poumon vide. Posture sur 8 parties du corps. Puis, inspire, cobra. L'expire. Retour en chien tête en bas. Avancez le pied gauche. Anjaneyasana. Ramenez les mains, le pied droit, flexion avant. Inspire. On continue à votre rythme. Deuxième salutation soleil ou troisième, selon la vitesse à laquelle vous évoluez dans votre mobilité de cet enchaînement. Lorsque vous en serez à la troisième salutation au soleil, essayez de ralentir un peu votre rythme. Pratiquez sur un rythme un peu plus lent et intériorisé. Concentre davantage l'énergie et renforce l'organisme tout entier, sans fatiguer. Observez bien tous les moments, toutes les postures qui étirent et allongent l'arrière du corps. Et essayez d'allonger, de redresser l'axe central, Meru Dandha, soit pour aller d'une posture à l'autre, soit pour en revenir. Lorsque vous avez terminé, salutation au soleil, Samastiti. En Samastiti, tout le corps s'organise pour transmettre l'action de redresser la colonne vertébrale des pieds jusqu'au sommet de la tête, toujours un discret Jalandhara. Et la respiration qui favorise le redressement vertébral,
le maintien du dos et de tout l'axe central redressé, c'est avec le flux directionnel. Pendant l'inspire du haut du thorax, l'expansion thoracique, le mouvement inspiratoire descend jusqu'à la région du nombril. Pendant l'expire, avec la fermeté de la région périnéale, vous rétractez tranquillement le bas-ventre et vous continuez cette rétraction en restant attentif à l'action abdominale volontaire qui rentre petit à petit au fur et à mesure de l'expiration. Donc, il y a un mouvement descendant du souffle pendant l'inspiration et ascendant du souffle avec l'action abdominale pendant l'expiration. C'est ce mouvement directionnel qui est très favorable à redresser la colonne et à maintenir la colonne redressée tout au long de la respiration. Maintenant, allongez-vous sur le dos. Nous allons effectuer quelques mouvements, quelques enchaînements simples. Tout au long de ces enchaînements, restez concentrés sur ce que vous ressentez, particulièrement au niveau de l'arrière du corps et de l'axe central. D'abord, Urdhva Mukha Samasthiti, c'est-à-dire aligner des pieds, de la tête aux pieds, s'il y a besoin, un tout petit coussin sous la tête. Pratiquez la respiration Ujjayi tout au long des enchaînements. Prochaine inspiration, élevez le bras gauche, déplacez-le jusqu'où l'épaule, le dos, le bras le permettent. Si il y a l'aisance, le bras se pose de toute sa longueur au sol, au-delà de la tête. Pendant l'expire, élevez la jambe droite, si possible, sans plier le genou droit ou le moins possible. Poussez tranquillement un peu le talon droit vers le ciel. L'inspire, vous redescendez la jambe droite, vous la laissez revenir au sol, à son point de départ, et l'expire d'après, c'est le bras gauche qui revient à sa position de départ. Nous enchaînons la même chose avec le bras droit. L'expire, la jambe gauche se place à la verticale, la juste tonicité pour l'étirement de toute l'arrière de la jambe. L'inspire, la jambe redescend au sol. Et quand l'inspire est terminé, pendant l'expire, le bras droit revient près du buste, au sol. Fin du premier tour. Pratiquez un second tour identique. Bras gauche, inspirez. Gardez le menton bien à sa place. Expirez, la jambe droite s'élève. Concentrez-vous sur l'étirement postérieur du corps en diagonale. Du bout du bras, des doigts, de la main gauche, au bout de la jambe, le talon droit. L'inspire, la jambe redescend. Pendant l'expire, c'est le bras gauche qui revient. Vous enchaînez de l'autre côté. Bras droit. Jambe gauche. En diagonale, sentez l'étirement du bout de la main droite au talon gauche. L'inspire, la jambe redescend. Pendant l'expire, le bras droit revient. Nous passons à un second enchaînement. Pliez les deux jambes, les bras près du corps. En expirant, approchez les jambes pliées vers le buste, vers le ventre. Pendant l'inspire, élevez les bras et les jambes. Les bras se posent au-delà de la tête. Les jambes se tendent jusqu'au bout des talons, puis s'écartent dans la continuité de l'inspiration. Restez dans le placement en expirant, puis en réinspirant
paisiblement, profondément. À la fin de l'inspiration, une pause poumon plein, un arrêt à plein. Cet arrêt doit rester confortable, vous devez être à l'aise. L'expire, vous ramenez les jambes côte à côte, vous les repliez, vous ramenez les bras, vous les posez. Les jambes pliées s'approchent plus ou moins du ventre. Inspirez, reposez vos pieds au sol. Une deuxième fois, l'expire, jambes pliées vers l'abdomen. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'arrière du corps. Inspire, élévation bras et jambes, allongement des bras, allongement des jambes et écart des jambes. Restez une respiration en statique avec un arrêt poumon plein à l'aise. 3, 4, 5 secondes. Puis expire, retour des jambes. Ramenez les bras au sol près du buste, les jambes pliées s'approchent plus ou moins fermement vers le ventre. Posez les pieds. Un dernier tour identique. L'expire. Jambes pliées vers l'abdomen. Inspire, posture des jambes qui s'étendent en haut des bras au-delà de la tête. Adaptez pour le mouvement des épaules selon votre nécessité physique. Une respiration statique, essayez de rester bien concentré sur l'étirement postérieur de votre corps, autant les jambes que le dos, la colonne, les bras. Petite pause poumon plein à l'aise, soit 3, soit 4, soit 5. Le retour pendant l'expire. Et l'inspire. Placez-vous debout sur vos genoux. Jalandhara. Inspirez, élevez les bras, gardez le menton rentré, sentez l'étirement vers le haut. Expire, flexion avant, posez les mains, posez le buste sur les jambes et si le corps le permet, le front au sol. Inspire, mettez-vous en quatre pattes, chakra vakasana. Pendant l'expire, chien tête en bas. Restez en chien tête en bas, une respiration longue et profonde. Essayez pendant cette respiration d'étirer petit à petit le corps en équilibrant l'étirement dans toute la globalité postérieure du corps. Après la dernière expiration, après l'expire, avec douceur, posez les genoux au sol tout en inspirant. Expire, reculez pour la flexion avant. Inspire, mettez-vous à nouveau debout sur les genoux en élevant les bras, menton rentré. Pendant l'expire, redescendez les bras, position de retour et de départ du deuxième tour. Inspire. Faites une petite pause poumon plein. De courte durée pour qu'elle reste à l'aise. L'expiration, flexion avant en Vajrasana. Inspirez Chakra Vakasana, posture quadrupède. L'expiration, Adho Mukha Svanasana, posture chien tête en bas. Restez deux respirations longues et profondes. En statique dans la posture et petit à petit étirez, régulez, équilibrez l'étirement dans tout l'arrière de votre corps, des mains aux pieds.
Il va de soi que si vous avez besoin d'adapter, que les talons ne se posent pas, que les genoux restent un peu pliés, privilégiez toujours Merudanda Kriya, l'étirement de la colonne vertébrale. Après la dernière inspiration, expirez longuement, puis déposez avec douceur les deux genoux au sol, inspirez. Expirez, reculez pour la flexion avant. Inspire, dressez-vous debout sur les genoux, menton rentré. Pendant l'expire, ramenez vos bras. Voilà. Maintenant, mettez-vous debout. La posture du guerrier 1. Nous allons faire deux tours de chaque côté. Le premier tour n'est qu'une dynamique, le deuxième tour est une dynamique, mais au bout du deuxième tour, statique en Virabhadrasana 1, guerrier 1. Faites une enjambée avec pied et jambe gauche. Faites un pas en avant. Pour les personnes qui le peuvent, avec la jambe droite, faites un second pas vers l'arrière pour avoir plus de distance entre vos deux talons. Placez bien le corps orienté vers l'avant. Menton rentré, Jalandhara. Inspirez, élévation des bras ou ouverture des bras par les côtés adaptés. Expirez, allongez la colonne en allongeant le tronc complet. Vous descendez en flexion avant, relâchez la tête ici. Pliez le genou gauche à l'aplomb de la cheville et du talon gauche. Inspirez, allongez, redressez la colonne jusqu'à sa verticalité, le guerrier numéro 1. Le retour, expirez en dépliant plus ou moins la jambe gauche, allongez le tronc, retrouvez la flexion avant, détendue vers la jambe, puis inspirez, allongez la colonne, tout le buste pour remonter à la verticale et l'expire, ramenez les bras, position de retour, position de départ, deuxième tour. Donc rappelez-vous que vous pouvez ouvrir les bras par côté plutôt que d'avoir les bras dans le prolongement de votre buste. Expirez, essayez dans les deux cas de bien allonger votre axe central pour aller dans la flexion avant. Pliez le genou gauche, inspire. Guerrier numéro 1, restez dans la posture. Donc certaines personnes sont bras ouverts, d'autres sont bras vers le haut. Dans ces cas-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, entrelacez les doigts, tournez les paumes vers le ciel. Respirez profondément. Les personnes qui le souhaitent peuvent reculer un peu la tête, fixer le regard comme à travers les mains, vers le haut. La sortie, expiration. En dépliant plus ou moins la jambe gauche. Flexion avant, Uttanasana. Parshva Uttanasana. Inspire. En allongeant bien le tronc, vous remontez le buste à la verticale. L'expire, retour des bras. De l'autre côté. Une enjambée avec la jambe et le pied droit. Un petit pas supplémentaire avec la jambe gauche à l'arrière, sauf si cela ne vous permet pas de positionner le buste, le corps, le bassin vers l'avant, dans la direction de la jambe et du pied droit. Inspire, toujours gardez le menton en retrait, rentrez. Expire, allongez la colonne, allongez le buste pour descendre dans votre flexion avant sur la jambe droite. Pliez le genou droit, inspire, remontez en allongeant la colonne, en allongeant le buste. Guerrier numéro 1. Le retour. Expire en dépliant plus ou moins la jambe droite, en allongeant le tronc central et tout le buste, flexion avant. Inspire, remontez
en allongeant le tronc jusqu'en haut. Expire, retour des bras. Effectuez la deuxième fois la même chose. Adapter, c'est aussi plier un peu le genou si nécessaire, le genou droit. Descendre moins bas. Plier le genou droit pour aller en allongeant bien la colonne et le buste en guerrier numéro 1. Restez entre 3 à 4 respirations dans la posture, au choix. Soit vous gardez les bras parallèles entre eux, soit vous joignez les mains au-dessus de la tête, soit vous entrelacez les doigts et tournez les paumes des mains vers le ciel. Soit ici, vous regardez droit devant vous, pour les personnes qui ont les paumes tournées vers le ciel. La deuxième possibilité, c'est de reculer la tête et de fixer le regard sur les mains, comme à travers les mains vers le haut. Ramenez bien la tête ensuite pour, pendant l'expire, en allongeant bien le buste, la colonne, vous redescendez en parchemin ou tadasana. Et de là, en réallongeant bien le buste et la colonne, vous remontez jusqu'à votre verticalité. L'expire. Prenez un petit moment Samasthiti. Quand la respiration est naturellement paisible, que vous pouvez à nouveau la réguler avec Ujjayi agréablement, observez, tendez à ce que tout votre corps soit organisé pour redresser et maintenir ce redressement de votre axe central, la colonne vertébrale Meru Dandha. Une flexion avant avec les pieds plus ou moins espacés l'un de l'autre. Au choix, après la flexion avant en écart de jambes, soit Malasana, qui est cette posture, on s'accroupit sans lever les talons, et on vient placer les coudes qui poussent contre les jambes, les mains sont jointes, il y a une certaine fermeté de partout, et plus spécifiquement, la conscience de redresser la colonne vertébrale Meru Dandha Kriya. Donc ça, c'est Malasana. On va dire posture numéro 1 de l'enchaînement que vous allez faire. Une autre possibilité, donc pour les personnes qui ne peuvent pas s'accroupir avec aisance comme cela, c'est de mettre un peu plus d'écart entre les pieds. Et la posture sera alors Utkata Konasana, c'est-à-dire en gardant bien un écart ferme des cuisses, des genoux vers l'extérieur, en gardant la colonne bien verticale et droite, pliant les genoux, les mains jointes devant le centre-cœur. La posture sera celle-là. On va dire la posture numéro 2, le second choix. Donc en fonction de votre choix, vous vous placez, vous vous reclassez, soit les pieds à peu près larges de votre bassin, soit plus, option numéro 2. Tous ensemble maintenant, inspirez, élevez les bras jusqu'à la hauteur qui vous convient, menton rentré. Pendant l'expire, allongez bien tout le buste, la colonne, pour descendre en flexion avant. Donc soit vous posez vos mains sur jambes, soit sur des briques de yoga devant vous, soit au sol, vers ou entre vos pieds. Restez d'abord dans cette posture qui est une flexion avant, en recherchant, en observant, en ressentant l'étirement de l'arrière du corps, particulièrement de l'arrière des jambes. Et cherchez dans cette extension arrière de corps, y compris celui du dos, au centre,
de prendre conscience de l'allongement de la colonne vertébrale par la tête vers le sol et le coccyx vers le ciel. Tranquillement. Placez la posture, soit le premier choix, soit le second choix. Redressez bien votre colonne vertébrale, inspirez. Restez dans la posture. Le regard, vous pouvez, on va dire, suivre en quelque sorte l'arête du nez et fixer votre regard dans le prolongement, sur un point au sol. C'est une possibilité de drishti. Tout en gardant bien consciemment la colonne redressée. Alors les personnes qui sont dans la deuxième option, le deuxième choix, regardent plutôt en face d'elles, droit devant, en taraka. Après ces quelques respirations profondes, retour dans la flexion avant. Donc pendant l'expiration, tout en dépliant les jambes, reposez les mains vers vos pieds et laissez l'arrière des jambes s'étirer, le dos s'allonger, la colonne s'allonger. En gardant le redressement vertébral, vous remontez par l'avant jusqu'à votre verticalité. Expire, retour des bras. On fait une deuxième fois. Je pratique pour les personnes qui ne peuvent pas faire la première, le premier choix. Je pratique avec le deuxième choix. Les autres peuvent repratiquer le premier choix. Ceux qui en ont l'aisance vraiment physiquement, qui ont fait le premier tour en malasana. Inspire, élévation des bras. Vous pouvez ouvrir à l'extérieur si l'élévation des bras est douloureuse quelque part. Pendant l'expire, allongez tout votre buste pour descendre en flexion avant. Posez vos mains soit sur un support, soit au sol, soit uniquement sur vos jambes pour les personnes qui ne peuvent pas étirer suffisamment l'arrière du corps. Restez une moyenne de 3 respirations longues et profondes. Au fur et à mesure de ces respirations longues et profondes, recherchez, ressentez l'extension postérieure du corps, des jambes et de votre axe central avec tout votre dos, tout votre buste. Puis, alors réévaluez l'espace entre vos pieds, éventuellement. Placez-vous dans la posture en angle, Utkata Konasana, pour rester entre 3 à 4 respirations. Pendant cette posture, ne penchez pas en avant, les fesses en arrière, les épaules en avant. Essayez de rester le plus vertical possible, mais avec une belle énergie dans les jambes, les hanches. Colonne vertébrale droite et redressée. Après une dernière inspiration, l'expire en dépliant plus ou moins les jambes, réévaluez le placement de vos pieds si nécessaire. Allongez tranquillement tout l'arrière du corps. Inspirez, si vous remontez bras ouverts par côté plutôt que par l'avant, c'est moins contraignant, c'est moins exigeant pour le redressement dorsal et vertébral. Allongez-vous sur le dos. Un petit instant d'abord de repos. Urdhva Mukha Samasthiti. Mais relâchez quand même. Relâchez. Ne restez pas dans une importante fermeté d'alignement. Pendant les moments de détente, il y a des effets subtils que vous pouvez ressentir. Ces effets infusent en fait toute votre constitution. Parce que c'est un moment durant lequel il y a un véritable rechargement, un renouvellement de l'énergie. Donc, profitez non seulement du repos, de vous laisser aller à ce repos, ce qui permet à prana de circuler
de se renouveler de partout dans toute votre constitution. Pliez les genoux, posez les pieds à plat, position de départ pour la tablette de pied. Alors, on va en faire un enchaînement unique, c'est-à-dire la tablette de pied. La deuxième posture, c'est la posture des jambes tendues vers le haut, des bras en arrière. Mais entre les deux, à chaque fois, il y a pendant l'expire, Apanasana. On va faire trois tours. Alors, avant, prenez le temps de inspirer paisiblement. Sentez vos appuis, notamment dans la région omoplate, haut du dos. Expirez, rentrez tranquillement mais fermement le ventre avec une petite rétroversion du bassin, comme pour chercher à appuyer davantage la région lombaire au sol. Sentez ce qui se passe au niveau de votre axe central. Puis, inspire, soulevez le bassin. Gardez le menton rentré, laissez la région cervicale s'étirer sans forcer au fur et à mesure que vous vous élevez jusqu'à la table à deux pieds. Pendant l'expire, descendez souplement le dos jusqu'à votre bassin. Là, pratiquez Apanasana, main sur jambe pliée pour accompagner la flexion. Sentez ce qui se passe dans la partie postérieure de votre corps, plus spécifiquement le dos et la colonne. Inspire, montez les pieds, tendez les jambes vers le plafond, jusqu'au bout des talons, les bras au-delà de la tête, le menton rentré. L'expire, ramenez les jambes pliées vers vous, les mains sur les jambes pliées, sur les genoux, Apanasana. Reposez vos pieds, inspire, soulevez le bassin, soulevez le dos. Deuxième tour, par la table à deux pieds. L'expire jusqu'à Apanasana. L'inspire, Urdhva Prasarita Padasana, posture où tout l'arrière du corps s'étire et où la colonne vertébrale est comme redressée de toute sa longueur, bien droite, en contact au sol. Expiration jusqu'à Apanasana. Voilà. Effectuez votre troisième tour de la même manière. Table de pied, Dui Pada Pitam. Je rappelle qu'on ne met pas de coussin, qu'on ne garde pas de coussin pour toutes ces extensions cervicales, donc de la table à deux pieds. L'enchaînement numéro 3 se termine par Apanasana. Vous posez vos pieds. Salamba Sarvangasana, posture d'inversion où nous élevons tout le corps, toutes les parties, nombreuses parties du corps, à partir de l'appui sur le haut, tout le haut, la région dorsale, les épaules, la région cervicale, l'arrière de tête. Pour beaucoup de personnes, il est quand même préférable d'alléger la pression, la contrainte sur la région cervicale. Vous pouvez utiliser des supports, des couvertures que je vais montrer après. Pour les personnes qui ne peuvent pas soulever comme cela, soit pour des régions qui ne doivent pas. On a déjà vu, à la place, vous pouvez vous positionner à partir d'une petite table de pied. Placez une brique de yoga et la posez pour pouvoir déposer vraiment votre sacrum sur cette brique de yoga. Voilà, les omoplates, les épaules bien à leur place, le menton à sa place. Et simplement, vous mettre les jambes, les pieds, en l'air, on a
un peu d'inversion ici. Et vous pouvez éventuellement ouvrir vos bras à l'extérieur. Et vous restez dans ce placement, dans cette inversion, tant que pour vous c'est confortable, agréable. Voilà. Certaines personnes peuvent mettre plus de briques l'une sur l'autre pour une adaptation un peu plus élevée. Et puis pour les personnes qui n'ont pas besoin de couverture du tout, vous pouvez aller dans votre inversion. Salamba Sarvangasana, posture. Voilà, je vais montrer avec un placement de couverture ici. Donc il faut quand même des couvertures fermes, hein, des vraies couvertures et non pas une qualité genre édredon ou rempli de mousse ou des choses comme ça. Non. Donc il vaut mieux avoir vraie couverture et puis en faire une pile. On peut en mettre plus. Moi j'en ai mis 3, mais vous pourriez en avoir 4, peut-être 5. Les épaules ici, la tête en dehors. Donc au départ, certaines personnes peuvent avoir besoin d'aller avec un peu d'élan. Donc d'abord, il faut vérifier que quand vous êtes posé, voilà, quand vous arrivez là, vos épaules sont sur la couverture et que la tête va venir se poser en dehors des couvertures. Hein. Voilà, parce que c'est cet appui-là qui va éviter d'avoir un dérangement, une force de compression de la région cervicale, d'accord ? Donc, pour les personnes qui ont besoin de prendre de l'élan, c'est un peu comme un rocking, vous pouvez rouler comme cela, hop, avec un peu d'élan, ça vous place comme ça, d'accord ? Une fois que vous êtes là, vous positionnez vos mains, sentez bien comment le corps, les épaules sont en appui au bon endroit, et que l'appui le plus fort est bien équilibré sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche, sur le haut du dos, côté droit, côté gauche, soit vraiment bien réparti. Fermez les yeux une fois que vous êtes dans la posture. Pour les personnes qui sortent de la posture en étant dans l'inversion complète, pour sortir, laissez en douceur, lentement, les jambes descendre plus ou moins derrière votre tête. On passe par une brève charrue, alasana. Et de là, laissez le dos se dérouler du haut du dos jusqu'au bas. Et pour adoucir le retour du dos et du bassin, n'hésitez pas à lever les épaules et la tête. Une fois que vous êtes là, vous pouvez venir soutenir la tête, poser vos pieds et puis redescendre tranquillement le haut du dos et la tête sur la couverture. Hein, s'il y a besoin, décalez-vous un peu vers l'avant pour que la tête soit elle aussi sur le même plan, sur les couvertures. Voilà, vous pouvez ouvrir les bras et relâcher. Les épaules, les bras, le dos, le bassin.
rester un petit moment, savourer, apprécier le repos dans cette ouverture avec le dos ainsi bien placé, la tête aussi. Les postures debout, les mouvements avec les bras, notamment d'élévation vers le haut, mais aussi les postures d'inversion, stimulent Uddhana Vayu. Le souffle qui s'élève. Donc après l'inversion que vous venez de pratiquer, même l'adaptation la plus modérée, vous allez vous mettre allongé sur le ventre. S'il y a besoin, vous gardez une couverture pour adoucir les contacts osseux de votre corps, bassin, zone pubienne, avec le sol. Vous posez le front au sol, le corps allongé des pieds à la tête, le drishti, point à partir du point intersourcilier, brumadhyā, ou alors là où le front est posé. Vous localisez ici le point de contact du front au sol et vous laissez le regard être là, en arrière-plan, hein, dans la subtilité de l'espace à partir de cette zone de votre corps. Espace de clarté. Maintenant, placez vos mains pour le cobra en dynamique 4 fois. Les mains à plat, très proches des côtes, un peu plus bas que la poitrine. Direction bassin, entre la poitrine et la taille, on va dire, et très près des côtes. Les coudes restent bien aussi à leur place, c'est-à-dire un peu comme si on voulait les garder bien parallèles entre eux. Inspirez, élevez le buste, les épaules coulent la tête, Bhujangasana. Pendant l'expiration, retour au sol, front. Recommencez la même dynamique. Chaque fois que vous inspirez, le buste s'élève. Donc, sépare l'action consciente des muscles du dos. Maintenez votre attention au niveau de votre axe central, la colonne vertébrale, et sur l'action, là, être actif avec les muscles reliés à notre colonne vertébrale pour monter le buste en cobra. Ce n'est pas la force des bras, c'est vraiment l'implication volontaire et consciente de votre musculature dorsale. C'est l'action. De Merudanda Kriya. Voilà. Après, vous vous placez pour le demi-arc. Allongez d'abord vos bras en avant, paume à plat. Voilà. Gardez bien cette volonté toujours de vous grandir du bout des doigts, du bout des mains, du bout des bras, au bout des jambes, au bout des pieds. Au bout du tronc aussi, de la tête aux hanches, des hanches à la tête. Maintenant, vous pliez la jambe droite. Pour les personnes qui le peuvent, vous saisissez la cheville droite. Si vous ne le pouvez pas, vous pouvez garder la main au sol, juste à côté, ou alors en contact avec la cuisse droite, simplement. D'accord ? Inspiration, soulevez les épaules, la tête, élevez si possible la cuisse, le genou et le pied droit sans plier le bras droit. Élevez la jambe gauche et le bras gauche qui sont bien étirés dans les deux directions opposées. Respirez dans la posture.
Pendant une expiration, redescendez paisiblement au sol, front au sol, relâchez la cheville, replacez le bras droit en avant, réalignez-vous bien, rétirez-vous. De l'autre côté, pliez la jambe, le genou gauche, saisissez la cheville ou gardez la main au sol ou en contact avec la cuisse gauche. Inspirez, élevez la tête, la poitrine, élevez les quatre membres. Donc le bras gauche est tendu, mais passif. Le retour au sol en expirant. Puis ramenez les mains et recouchez-vous, réallongez-vous sur le dos, Supta. Donc les personnes qui ont besoin d'un tout petit coussin sous la tête, vous pouvez le placer. Urdhva Mukha Samasthiti. Pliez les genoux, placez les mains sur les jambes pliées. Expirez longuement. Les jambes pliées s'approchent vers le ventre en pliant les coudes. Concentrez-vous sur l'étirement ressenti au niveau du dos. Inspire, montez les deux pieds, tendez les jambes, montez les bras, allongez-les au-delà de la tête. Vous pouvez, je dis bien, ce n'est pas une obligation. Entrelacez les doigts et tournez les paumes vers l'extérieur en raffermissant l'extension des bras. Restez une respiration profonde. Gardez toujours votre menton bien rentré à sa place. Concentrez-vous sur l'arrière du corps. Après la dernière, l'inspiration. En expirant, repassez, pratiquez Apanasana. Puis retournez dans la posture des jambes tendues vers le haut, côte à côte. Bras en arrière ou ouvert sur le côté, hein, si vous avez besoin d'adapter. Restez deux respirations longues et profondes. Essayez de garder une belle régularité respiratoire, l'inspire et l'expire de même durée, de même amplitude, de même fluidité. L'expiration vous ramène jusqu'à Apanasana et vous allez effectuer un troisième et dernier tour dans lequel vous resterez trois respirations très régulières. Les plus aguerris, les plus à l'aise peuvent effectuer entre chaque phase inspire, expire et expire, inspire un temps d'arrêt. Donc en fin d'inspiration, un temps d'arrêt poumon plein entre 3 à 6 temps selon votre allongement inspiratoire personnel. Et à la fin de l'expiration, pareillement, la même durée de arrêt poumon vide. Si vous inspirez en moyenne 6 temps, l'arrêt poumon plein dure 3 temps. L'expire 6 temps et l'arrêt à vide 3 temps. Pour les personnes qui inspirent 8 ans, l'arrêt poumon plein dure 4 temps et l'arrêt poumon vide 4 temps, pareil. Etc. Après la dernière étape poumon plein, pendant l'expire, vous allez jusqu'à Apanasana.
puis posez vos pieds, relâchez vos bras, laissez la respiration se faire sans effort. Alors maintenant, asseyez-vous. Donc certaines personnes ont beaucoup de difficultés à redresser la colonne dans l'assise à même le sol. Ces personnes-là doivent s'asseoir sur une brique de yoga, par exemple. Assis sur une brique de yoga, vous pliez légèrement les genoux. Cherchez à redresser en priorité votre axe central, Meru Dandha Kriya. Pour les personnes qui n'ont pas besoin de cette adaptation-là, les jambes restent un peu fermes, tendues côte à côte. Les pieds à la verticale, les mains pour tout le monde posées près du bassin, les épaules bien à leur place, la colonne redressée et toujours un discret Jalandhara. Allongez la respiration. Donc, Dandasana, posture du bâton, c'est vraiment une action pure Danda, c'est-à-dire Kriya Danda. Et au centre de cette élongation de l'arrière du corps, eh bien, c'est Meru Danda, Kriya, redressement de l'axe central, la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, vous élevez les bras. Donc, sauf pour les personnes qui ont des soucis d'épaule, de bras, ou qui ne peuvent pas redresser avec suffisamment d'aisance vraiment le dos. Dans ces cas-là, gardez les mains près du bassin, au sol. Respirez profondément. Dandasana. Danda Kriya. Et au centre, la colonne. Meru Danda. Bien redressé. Expirez avec le ventre. À partir du l'ancrage, l'enracinement périnéal au sol. Après la dernière inspiration longue et profonde, pendant l'expire, pour les personnes qui avaient les bras au-delà de la tête, ramenez-les le long du tronc, main au sol. Vers Paschimottanasana. Paschimottanasana, c'est posture d'extension, d'étirement de tout l'arrière du corps. Donc, les personnes qui sont assises sur support, les genoux pliés, privilégiez de plier bien au niveau des hanches, d'allonger tranquillement, dans la mesure de votre possibilité, le bas du dos, et petit à petit, d'essayer d'allonger un peu le reste. Pour les personnes dont c'est le cas, vous gardez les mains sur jambes. Les autres, ceux qui ont levé les bras avec aisance dans la posture précédente, nous allons élever les bras, menton rentré. Inspiration, n'entrelacez pas les doigts. Hein. Redressement, en gardant le redressement vertébral, expirez, penchez au-dessus des jambes, déposez les mains en dernier sur les jambes ou sur les pieds. Restez ici en inspirant tout en optimisant l'allongement de la colonne entière et aussi un peu le tonus de vos jambes. Expirez, descendez, si le corps le permet, descendez un peu plus bas l'abdomen, les côtes, la poitrine. Restez tel quel, inspirez, essayez de vous allonger de toute votre longueur vertébrale vers l'avant, vers les pieds. Expirez, descendez, tranquillement, sans forcer. Continuez de respirer selon votre possibilité, amplement. Restez dans votre posture. Paschimottanasana, tel que vous êtes, les yeux fermés. Concentrez-vous sur la colonne vertébrale, Meru Danda. L'arrière du corps étiré entraîne la circulation du prana par la voie postérieure. Facilite, incite, invite l'énergie
petit à petit, dégage, on va dire, ou tente à dégager cette voie centrale pour que l'énergie puisse s'y concentrer, puisse y devenir plus active. Pour sortir de la posture, prochaine inspiration, remontez la tête, les épaules et la poitrine. Restez ici en expirant. Pour les personnes qui ont levé les bras pour aller dans la posture, vous levez les bras vers l'avant tout en inspirant. En redressant la colonne bien allongée, vous revenez à la verticale. Les autres personnes font la même allongement, le même redressement, mais en gardant les mains en contact aux jambes. Puis, expirez pour tout le monde. Retour des mains près du bassin, au sol. Allongez-vous sur le dos. Vous allez vous installer dans la posture de l'angle lié couché, Supta Baddha Konasana. Proposition pour les personnes qui n'ont pas de douleur dorsale et aussi peut-être très favorable aux personnes qui ont tendance à avoir un peu le dos trop facilement voûté, un peu syphotique. Mais pour les autres, c'est bien aussi des fois de pratiquer avec remettre des couvertures comme ça, vous voyez. Alors, pas forcément aussi long, on n'a pas besoin d'autant de longueur parce qu'on n'aura pas le bassin, on n'aura pas les fesses plus exactement sur la couverture. On peut mettre une certaine épaisseur, alors cherchez pas à en mettre de trop tout de suite, ou si vous en mettez trop, n'hésitez pas en bout de chemin, à un moment donné, d'en enlever si vous sentez que c'est un peu trop exigeant pour votre dos. Dans un premier temps, alors je vous conseille aussi, c'est d'avoir quelque chose prêt pour, si vous avez besoin, mettre sous votre tête, prêt à côté de vous, d'accord? Vous vous asseyez juste devant vos couvertures. Les fesses sont au sol et c'est uniquement, voilà, votre bassin, les lombaires, l'ensemble de tout votre dos, votre colonne vertébrale ici va être mise à contribution, un peu comme s'aplatir sur les couvertures, comme cela. Alors, soit vous laissez la tête basculer à l'arrière si pour vous ça va, soit vous mettez un petit support sous la tête si ça force trop, hein, dans le haut du dos, mais aussi dans la région cervicale ou la nuque. Voilà, par exemple comme cela. Laissez bien réévaluer le placement, descendre les fesses, voilà. Les lombaires sont soutenus mais arqués. Les dorsales sont soutenues. Les omoplates aussi. Les genoux, pliez les pieds posés à plat. Donc, d'abord, placez vos bras. Vous les ouvrez plus ou moins par rapport à votre buste. Un petit peu, moyennement ou plus. Paume de préférence vers le ciel. Puis, ouvrez les genoux vers l'extérieur, tournez les plantes des pieds pour les lier l'une contre l'autre. S'il y a besoin, vous mettez des cales sous les jambes pliées ici pour alléger l'effort d'étirement, les sensations d'étirement des cuisses et au niveau des hanches. Ça peut être aussi les sensations dorsales qui peuvent avoir besoin d'être un peu allégées par des cales sous les jambes ici afin de, que les jambes puissent se relâcher sur ces cales. Une fois que vous êtes placé à ce niveau-là, les personnes qui le souhaitent peuvent amener les bras en arrière, plus ou moins. Ce n'est pas une obligation. Trouvez le placement pour pouvoir rester, que cela soit agréable, une sensation bienheureuse d'être ainsi placé. Si ce n'est pas le cas, changez quelque chose.
Veillez à ce que petit à petit, les épaules, les bras, les coudes, les mains, les poignets soient relâchés. Une fois que vous vous sentez assez détendu, respirez plus amplement. L'inspiration, par ce placement, va étirer, va ouvrir davantage, tendre, je dirais, la cage thoracique. Essayez d'allonger votre capacité inspiratoire tout en dosant cela pour que cela reste plaisant, agréable. Expirez en douceur aussi longuement. Ressentez chaque étape, chaque fois que vous inspirez, et chaque fois que vous expirez. Donc, bien sûr, les personnes pour qui placer des couvertures comme cela est trop contraignant pour le dos, ne vous obligez pas à cela. Hein. Restez sans couverture, à même le sol, dans la variante très classique que l'on fait régulièrement. Prochaine expiration, ramenez les genoux proches l'un de l'autre, ramenez vos bras. Les personnes qui n'ont pas de couverture, qui n'ont pas de coussin sous le dos, vous pouvez au choix pratiquer un peu Apanasana, 4 ou 5 fois, ou un petit massage dorsal. Les personnes qui ont des supports sous le dos, des couvertures, hein, comme moi par exemple, roulez sur le côté pour sortir de votre posture, tranquillement, avec les jambes qui restent pliées. Voilà, prenez votre temps. Ensuite, asseyez-vous. Alors, installez-vous dans une posture assise de votre choix. Votre assise doit vous permettre de redresser votre colonne vertébrale. Dandha Kriya, l'allongement de l'arrière du corps, tout en redressant le dos, fut dans notre pratique un point prioritaire. Merudanda, la colonne vertébrale, et Merudanda Kriya, l'action de redresser la colonne vertébrale, fut pendant notre deuxième semaine, notre pratique prioritaire, à l'intérieur, bien sûr, de Dandha Kriya. Tout cela favorise l'action, l'activité d'Udana Vayu. Donc, Jalandhara Bandha, montant rentré, colonne redressée, s'installe alors, se développe une intériorité vigilante. Vous allez effectuer Brahmari Pranayama 6 fois. Donc vous allez bourdonner, vous allez murmurer 6 fois. Chaque fois que vous allez bourdonner, visualisez, ressentez la vibration et la sonorité thorax, gorge, jusque
espace de claire lumière, frontal, tête en arrière-plan, dans l'espace subtil. Donc nous plaçons les doigts pour fermer nos oreilles, vous gardez les yeux fermés. Continuez de maintenir Merodanda Kriya de la fondation jusqu'à la tête avec Jalandhara tout en laissant la respiration s'écouler librement, yeux fermés. Effectuez une deuxième fois quand vous avez compté. Le sixième bourdon, le sixième murmure, vous posez vos mains, vous gardez votre assise, les yeux fermés. Ujjayi, Jalandhara Bandha et Merudanda Kriya canalisent le prana et la concentration vers les niveaux plus profonds. Donc, dans la méditation, depuis votre état d'intériorité vigilante, demeurez dans l'écoute de l'écoulement joyeux du son, de l'énergie de l'être, en demeurant dans l'espace qui vibre subtilement du bourdonnement du silence.
Prenez conscience de votre souffle qui circule naturellement, librement. Il va de soi que ces temps de intériorité, d'écoute, de présence méditative peuvent bien sûr durer beaucoup plus longtemps. Nous allons terminer en chantant ensemble le mantra de paix, Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Récitez-le intérieurement de façon inaudible. Merci. À très bientôt.